Par les avortements. Bien sûr, on a les avortements spontanés, les avortements provoqués. On va commencer par les avortements spontanés. Spontanés parce que, bien sûr, ils surviennent spontanément. On n'a pas intervenu pour, bien sûr, créer cet état, bien sûr, de menace d'accouchement, de menace d'avortement, puis l'avortement proprement dit. Bien sûr, les définitions, elles sont comme suit. Bien sûr, si on définit l'avortement par l'expulsion hors de l'organisme maternel du produit de conception. Bien sûr, cette expulsion, elle doit se faire à un âge inférieur à 22 semaines d'aménorrhée. Après 22 semaines d'aménorrhée, bien sûr, c'est un accouchement pré maturé, ce n'est plus considéré comme un avortement. Bien sûr, cet avortement, soit on a une expulsion d'un fœtus, d'un embryon, soit vivant, soit bien sûr mort, ou bien on a l'expulsion d'un sac où il y a absence d'embryon. D'accord? Bien sûr, selon l'OMS, la définition, c'est par rapport au poids du conceptus. Ce poids-là, il est d'environ moins, il est de moins de 500 grammes. C'est là, si c'est inférieur à 500 grammes, c'est un avortement. Si supérieur ou égal à 500 grammes, là, il est considéré comme un accouchement prématuré. D'accord? Mais nous, bien sûr, on considère les semaines d'aménorrhée, c'est les 22 semaines d'aménorrhée. Bien sûr, on distingue les fausses couches ou bien les avortements précoces, les avortements pardon, précoces. Bien sûr, ces comptes, c'est inférieur à 14 semaines d'aménorrhée. Mais il y a bien sûr des pays ou bien des organismes qui considèrent 12 semaines et d'autres 16 semaines. Mais nous, on suit généralement les pays francophones et dans ces pays-là, c'est les 14 semaines, bien sûr, pour distinguer les étiologies. Et on a la fausse couche tardive, bien sûr, qui est une fausse couche quand, bien sûr, l'embryon, il a atteint 14, il a dépassé les 14 semaines, mais inférieur à 22 semaines. On distingue aussi la fausse couche spontanée isolée, d'accord, chez une femme lors de sa vie, sa vie bien sûr productrice, elle va avoir un maximum de avortements, d'accord. Là, généralement au début, bien sûr. Mais on a une autre catégorie, là où il y a les maladies abortives. Là, ces femmes-là, elles font beaucoup d'avortements, d'accord? Jusqu'à 3, voire plus d'avortements. D'accord? Et là, on doit s'inquiéter et on doit, bien sûr, rechercher les causes de ces avortements. Bien sûr, on a avortement d'un œuf mort. C'est quand on a, bien sûr, un embryon avec absence d'activité cardiaque. On peut avoir un avortement d'un œuf mort, d'un œuf clair. C'est quoi l'œuf clair? C'est quand vous avez juste, bien sûr, on a juste un œuf, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'embryon. D'accord? Bien sûr, c'est généralement quand il y a des aberrations chromosomiques où on a un œuf clair, d'accord? Surtout dans les triploïdes. Ou parfois, c'est une cause infectieuse qui fait que l'embryon ne se développe pas. Essayez, s'il vous plaît, d'être à l'heure. L'avortement, bien sûr, d'embryon ou d'un fœtus qui est vivant, là, ça, bien sûr, ça nous oriente vers des causes mécaniques. Ça veut dire que c'est
il y a un problème au niveau du col ou bien au niveau de l'utérus qui n'a pas permis, bien sûr, de garder cet œuf-là à l'intérieur de la cavité utérine. C'est-à-dire que quand vous avez un avortement et le fœtus est vivant, généralement, c'est une cause mécanique. Contrairement à un œuf mort où la cause elle est beaucoup plus chromosomique ou bien infectieuse. Bien sûr, pour parler d'un œuf clair, d'accord, ou bien d'un fœtus ou bien généralement d'un embryon qui est mort, vous allez bien sûr au premier trimestre calculer ce qu'on appelle le LCC, c'est la longueur crânio caudale. D'accord? Cette longueur-là, d'accord, si elle dépasse les 7, d'accord, les 7 mm, ici, ça veut dire que c'est une grossesse intra-utérine arrêtée. D'accord? Si, bien sûr, elle est moins de 7 mm, là, on est incertain. Ça veut dire qu'il faut refaire votre écho une semaine maximum après pour réévaluer. S'il n'y a pas d'embryon et vous avez un petit sac, d'accord, un petit sac gestationnel, juste le sac sans embryon, on va calculer bien sûr les diamètres de ce sac. Si ce sac-là, il est supérieur ou égal à 25 mm, là, c'est une grossesse arrêtée avec ou sans présence d'embryon. Si le sac, il est inférieur à 25 mm, là aussi, on doit refaire l'examen après pour être sûr. Ça, généralement, c'est à l'échographie pour, bien sûr, de voir est-ce que l'œuf est clair, est-ce que l'embryon il est vivant ou pas. D'accord? Il faut garder à votre esprit parce que normalement, à partir de 6 semaines d'aménorrhée, d'accord, on devrait avoir une activité cardiaque. Mais comme on n'est pas sûr, généralement les femmes, elles peuvent se tromper de l'aménorrhée, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on fait? À l'échographie, on calcule directement le LCC, d'accord? Si il dépasse 7 mm, là, normalement, on doit avoir, bien sûr, le cœur qui va apparaître, l'air cardiaque qui va apparaître et le cœur qui bat. Sur le plan épidémiologique, bien sûr, la fréquence, elle est mal appréciée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avortements spontanés qui sont infracliniques. La femme, elle va même pas s'apercevoir qu'elle a perdu, bien sûr, l'œuf. D'accord? Elle va croire que c'est de simples règles et ça va, bien sûr, couler, mais on a bien sûr la perte de l'œuf. D'accord? Alors, on ne peut pas dire combien réellement d'avortements qu'il y a. Bien sûr, 10 à 15% des femmes enceintes font une fausse couche entre 5 et 8 semaines d'aménorrhée. D'accord? 70% des œufs fécondés, bien sûr, avortent avant 6 semaines d'aménorrhée généralement. Sur 100 avortements, 58 sont considérés comme infracliniques. D'accord? Et une femme sur 4 saine au premier trimestre. Bien sûr, une femme enceinte qui va saigner au premier trimestre. Dans 50% des cas, il faut toujours lui expliquer que dans 50% des cas, elle peut. Les saignements vont s'arrêter et la grossesse va continuer. Et dans 50% des cas, ça va se terminer par, bien sûr, un avortement. Les fausses couches spontanées précoces à répétition, d'accord, bien sûr, elles peuvent concerner 1 à 5% des couples fertiles. Ça veut dire dans 1 à 5% des couples, on a la femme qui va, bien sûr, faire plus de 3 avortements. C'est ce qu'on appelle une maladie abortive. Pour les facteurs de risque, qu'est-ce qui nous donne ce genre
d'avortement, bien sûr, spontané. On a surtout l'âge. Quand ça commence à chiffrer plus de 30 ans, là, on commence à avoir un taux d'avortement qui est quand même important. D'accord? Et bien sûr, quand on a tendance à avancer dans l'âge, on a de plus en plus de risques d'avoir un avortement. On a les antécédents de fausse couche. Ça, c'est aussi un facteur de risque. On a les origines ethniques, surtout l'Afrique du Nord, comme nous, d'accord, dans notre pays. On a les problèmes psychologiques. Ils ont constaté que c'est un facteur de risque. Et bien sûr, le tabac. On a aussi des facteurs qui ne sont pas un risque, mais que les gens ont tendance à croire que c'est des risques d'avortement. C'est comme les parités, d'accord? La PMA et les maladies sexuellement transmissibles. On a aussi les interruptions volontaires de grossesse et la contraception, d'accord? Que ce soit par œstroprogestatif ou bien les stérilés. Là, bien sûr, c'est faux, ce n'est pas ils n'ont pas un rôle dans l'avortement. Pour les étiologies, on a beaucoup d'étiologies, mais les plus importantes, c'est bien sûr, on a d'abord les causes ovulaires qui sont dues à l'œuf lui-même ou bien à l'embryon. On a surtout les malformations ou bien le défaut de développement ovulaire. Là, soit généralement, on aura soit une absence de l'embryon, soit un embryon avec activité cardiaque négative. Bien sûr, c'est dû à pas mal de facteurs. On a surtout les aberrations chromosomiques. Bien sûr, la nature fait bien les choses quand vous avez une aberration chromosomique. Généralement, ça se termine par un avortement. C'est pour ça, généralement, quand c'est une grossesse très très jeune, d'accord, et la femme, elle va présenter des saignements, généralement, on laisse l'avortement se faire, d'accord? On préconise juste un repos parce que on ne pourra pas savoir s'il y a ou non une aberration chromosomique. Alors, généralement, on accepte l'avortement. Bien sûr, parmi ces aberrations chromosomiques, on a surtout les anomalies de la méiose. On aura un œuf fécondé qui est en monosomie, d'accord? Ou bien parfois en trisomie. On a les anomalies de la fécondation. Ça va nous donner la triploïdie ou bien la tétraploïdie. Bien sûr, c'est incompatible avec la vie. On a aussi les ségrégations ou bien les translocations chromosomiques qui sont plus rares, mais qui se voit dans pas mal de cas. Alors, quand vous avez ces aberrations chromosomiques, on a généralement, la nature fait bien les choses, on aura un avortement. D'accord? Et bien sûr, toutes ces aberrations sont surtout favorisées, ou bien le facteur de risque le plus important, c'est l'augmentation de l'âge maternel, surtout quand on dépasse les 40 ans. Il faut faire très très attention car le risque d'avoir une aberration chromosomique, il est élevé. D'accord? On a aussi les causes ovulaires là qui ne sont pas chromosomiques. D'accord? On a surtout les grossesses multiples. Quand vous avez tendance à avoir, bien sûr, des grossesses, plusieurs grossesses dans le même utérus, on a tendance à avoir des avortements. On a les anomalies d'insertion placentaire, surtout quand cette insertion se fait au niveau d'un bord du placenta, ou bien il y a eu, bien sûr, un placenta qui s'est mal inséré. Et là aussi, on peut avoir un avortement. On a les aplasies funiculaires, bien sûr, c'est l'absence de développement du cordon ombilical. D'accord? Il est totalement absent. Alors, l'embryon, il va pas avoir avec quoi se nourrir, d'accord? Là, il va pas se développer et on aura généralement un avortement.
Là aussi, quand vous avez une artère ombilicale unique, vous savez bien que normalement, on doit avoir deux artères ombilicales. Là, soit on aura un avortement ou bien, bien sûr, on aura un retard de croissance intra-utérin. On a aussi les hydramnios. Là, généralement, c'est des avortements tardifs, surtout un hydramnios important. C'est un excès vraiment important du liquide amniotique. Et bien sûr, les différentes malformations, d'accord, du fœtus. Là aussi, on a un gros risque d'avoir un avortement. Comme deuxième étiologie, bien sûr, c'est les infections ovulaires. Bien sûr, la contamination, elle se fait généralement par voie ascendante, par le vagin, ou bien par voie hématogène, lorsqu'il y a, bien sûr, une septicémie, d'accord? Là, bien sûr, on aura généralement l'atteinte ovulaire et l'infection de cet ovule. Bien sûr, une hyperthermie maternelle prolongée peut entraîner un avortement, d'accord? Quelle que soit, bien sûr, la localisation de l'infection. Dès que même avec une simple grippe, d'accord, si vous ne combattez pas l'hyperthermie, ça peut entraîner, bien sûr, la mort de l'embryon et on aura un avortement. Bien sûr, généralement, cette infection se fait avec des germes qui sont des germes banaux, comme Escherichia coli, Listeria monocytogène, les infections cervicales. Quelle que soit la bactérie, d'accord, mais généralement c'est le colis et bien sûr le staphylocoque. On a aussi les chlamydioses, d'accord, ça nous entraîne aussi, bien sûr, les infections, ça peut aller jusqu'à l'ovule. On a les viroses comme la rubéole, surtout au premier trimestre où elle cause pas mal de dégâts embryonnaires, d'accord. Là, il faut faire très, très attention. On a aussi l'herpès, les grippes. Je vous ai dit sur la grippe, le virus de la grippe, généralement, il n'entraîne pas d'embryopathie, d'accord? Mais ça peut provoquer un avortement. Et on a aussi le cytomégalovirus. Pour les parasites, on a surtout la toxoplasmose, d'accord? Le paludisme et les rickettsioses. Là aussi, ça nous, bien sûr, cause des avortements. Pour les causes maternelles, généralement, c'est des causes mécaniques. D'accord? C'est des causes mécaniques. C'est un problème au niveau de l'utérus ou bien c'est un problème immunitaire. D'accord? Bien sûr, les causes utérines, généralement, ça nous donne un truc mécanique. D'accord? Une cause mécanique. Et là, on a tendance beaucoup plus à avoir des fausses couches tardives au deuxième trimestre. D'accord? L'œuf, il est généralement bien, l'embryon, il est généralement expulsé et il est vivant. D'accord? Et ça risque de se répéter. D'accord? Quand vous avez bien sûr un utérus qui est petit ou bien hypoplasique, ça peut généralement nous donner des avortements à répétition. Bien sûr, on a des causes utérines congénitales, comme je vous ai montré déjà les malformations utérines qu'on peut avoir, un utérus bicorne, un utérus unicorne et un utérus hypoplasique. Bien sûr, quand vous avez une diminution du volume à l'intérieur de l'utérus, là, il n'y a pas assez de place et ça risque de vous donner soit un avortement tardif, soit un accouchement prématuré. Et on a aussi surtout les béances cervico-ismiques ou ce qu'on appelle actuellement les incompétences cervico-ismiques. Ça veut dire que le col n'est pas assez, bien sûr, assez fort pour maintenir la grossesse. D'accord? Dès que l'embryon, ou bien l'œuf grandit, là, le col va se relâcher et bien sûr, l'œuf va être expulsé. On a
les causes acquises, là, bien sûr, c'est acquis, c'est comme les fibromes, d'accord? Bien sûr, vous pouvez avoir les fibromes n'importe où au niveau de l'utérus, soit en sous-séreux, d'accord? Sous-muqueux ici, ou bien ce qu'on appelle intracavitaire, et bien sûr, intramural. Et ça dépend de leur taille aussi, d'accord? Là aussi, quand ça gêne et ça diminue, ça diminue le volume de la cavité utérine, là, on a tendance à avoir des avortements. Aussi, quand on a des synéchies, d'accord, c'est des adhérences, bien sûr, entre les deux feuillets de l'endomètre. Généralement, elles sont créées quand on a fait une révision, d'accord, ou bien un curetage, ou bien un curage. Là, bien sûr, la cicatrisation se fait mal et on a ces synéchies. Là, c'est comme ça. Là, c'est une vue hystéroscopique. Là, vous voyez bien ces synéchies. Normalement, on doit avoir une cavité bien ouverte. D'accord? Là, bien sûr, c'est un polype. On peut avoir un polype. C'est comme un fibrome, mais un polype, c'est. Un polype, on peut le voir, d'accord, en intra cavitaire, comme ça, et ça peut gêner, bien sûr, le développement de l'ovule. Là, c'est un utérus bicorne, on voit bien les deux côtés, ça, c'est l'hystérosalpingographie, quand on injecte, bien sûr, un produit iodé. Et là, on fait des clichés pour, bien sûr, voir l'utérus. Là, c'est à la cœlioscopie. Vous voyez bien comme on a deux hémiutérus. Il y avait absence d'accolement de ces deux hémiutérus. Là aussi, c'est une vue hystéroscopique. D'accord? Ça, c'est un myome intracavitaire. Bien sûr, vous voyez bien qu'il gêne la cavité utérine. Là, généralement, c'est les causes acquises et on a bien sûr les endométrites chroniques. C'est des endomètres qui sont inflammés, d'accord, de façon chronique. Là aussi, ça peut nous donner des avortements à répétition. Les causes endocriniennes, il y a beaucoup de causes, d'accord. Parfois, on ne sait pas par quel mécanisme. On a généralement les insuffisances utérales. Surtout quand il y a des dysovulations et les syndromes des ovaires polykystiques ou bien lors des hyperprolactinémies. On a tendance, bien sûr, à avoir des avortements. On a aussi l'hypothyroïdie, les hyperandrogénies surrénaliennes et surtout le diabète mal équilibré. Surtout le diabète mal équilibré, ça nous donne, d'accord, des embryopathies. Alors, il faut faire très, très attention chez les femmes, surtout lors du diabète, d'accord? C'est de très bien l'équilibrer avant même la conception. Les causes immunologiques, on a tendance à avoir beaucoup de causes immunologiques. Bien sûr, c'est la diminution de la tolérance maternelle vis-à-vis de l'œuf, d'accord? Là, au lieu qu'il y ait une tolérance vers l'œuf, au contraire, les mécanismes qui empêchent cette attaque-là vont être défaillants et bien sûr, il y aura une attaque immunologique et on a surtout tendance à avoir des répétitions dans ce genre de cause. On a aussi les maladies générales auto-immunes comme le lupus. D'accord? Il faut toujours, dans les avortements à répétition, rechercher le lupus. D'accord? Ou bien d'autres causes auto-immunes comme les anticorps anti-lymphocytes paternels. C'est des causes immunologiques. Il y a d'autres causes, mais qui sont rares. D'accord? Mais il faut savoir que parfois, on ne retrouve pas de cause. D'accord? Surtout quand c'est immunologique, parfois, il faut refaire les bilans plusieurs fois pour, bien sûr, découvrir qu'il s'agit bien d'une cause immunologique. Et bien sûr,
jusqu'à 20% des fausses couches spontanées, d'accord? On ne retrouve pas, ou bien il n'y a pas réellement de cause pour ces fausses couches, surtout celles qui sont accidentelles, une à deux fausses couches dans la vie de la femme. Sur le plan clinique, comment reconnaître, bien sûr, un état de pré-fausse couche, ou bien c'est ce qu'on appelle la phase de la menace, c'est là où il faut intervenir pour empêcher, bien sûr, que l'avortement se fasse. Alors, on a une phase de menace, et après, c'est la phase, bien sûr, de l'avortement en cours. Sur le plan clinique, bien sûr, sur le plan de signes fonctionnels, bien sûr, ils ne sont pas pathognomoniques, mais vous avez des métrorragies, d'accord? C'est du sang rouge, indolore et variable en quantité, parfois accompagné de caillots de sang. Bien sûr, ça a tendance à se répéter. On a des douleurs pelviennes, généralement au début, elles sont légères. Elles sont hypogastriques, évoluant par poussée à type de crampes. D'accord? C'est comme c'est des contractions utérines, bien sûr, d'intensité qui vraiment n'est pas très intense. D'accord? Et bien sûr, elles ont tendance à être de plus en plus rapprochées. Les signes généraux, généralement, il n'y en a pas. L'état général, il est conservé malgré les petits les saignements minimes. On ne va pas avoir un état de choc, contrairement quand l'avortement se fait. On a la tension artérielle et le pouls qui sont normaux. Pour les signes physiques, généralement, c'est à la palpation. Vous pouvez palper une grossesse quand, bien sûr, elle dépasse les 8 semaines d'aménorrhée. D'accord? Mais généralement, on a l'échographie, alors on n'essaye pas vraiment de palper une grossesse. Mais on ne sait jamais, parfois il n'y a pas de matériel et on va retrouver bien sûr un utérus globuleux, d'accord? Entre les deux, on peut reconnaître bien sûr un utérus qui est gravide. Au spéculum, toujours faire un examen au spéculum pour rechercher une origine endo-utérine du saignement et bien sûr toujours, toujours éliminer une lésion cervicale ou vaginale, d'accord, qui peuvent saigner. Par exemple, un noyau du col, d'accord, il peut saigner et donner des métrorragies on peut se tromper avec une fausse couche. Bien sûr, au toucher vaginal, l'utérus gravide, indolore, mou, augmenté de volume. Le col utérin est long, fermé, d'accord, ça parce que c'est au début, ou bien perméable juste à la pulpe du doigt, d'accord, mais pas plus. Les examens complémentaires, bien sûr, c'est l'échographie. On doit toujours vérifier est-ce que l'œuf il est en place, est-ce qu'il y a un embryon. Est-ce qu'il y a une activité cardiaque? Bien sûr, généralement, quand vous faites une échographie au début, là, c'est avant 5 semaines, d'accord? Maximum 5 semaines. Là, on n'a pas d'embryon. On a juste un œuf, d'accord? Avec, bien sûr, la vésicule vitelline. La vésicule vitelline, c'est elle qui nourrit l'embryon avant que, bien sûr, qu'il commence à avoir sa nutrition par le placenta et, bien sûr, le cordon ombilical. Là, il n'y a pas, bien sûr, on ne voit pas d'embryon, mais quand généralement vous avez un œuf qui est comme ça, tonique, d'accord, il n'est pas flétri, il est tonique. Et vous avez la vésicule vitelline, généralement, on s'attend à avoir le développement de l'embryon. Bien sûr, parfois, quand il y a une menace, là, on a tendance d'avoir un œuf flétri. D'accord? Ce n'est plus une cavité tonique. D'accord?
Mais là, on a tendance à avoir un œuf lettré, et ça, c'est péjoratif. Ça indique que cette grossesse-là, elle est très, très menacée et ça va se finir par être expulsée. Ou bien, généralement, on aura un œuf, mais là, on a un décollement. D'accord? Entre la paroi utérine et l'œuf, ici, là, on a un décollement. Parce que normalement, vous allez avoir, bien sûr, un accollement parfait de l'œuf avec, bien sûr, l'endomètre. Mais là, quand il y a une menace, on peut avoir ce décollement. Bien sûr, avec le repos, parfois, ce décollement-là peut disparaître et l'œuf se recolle, d'accord, à l'endomètre et il continue son développement. Ou bien, bien sûr, dans l'autre moitié des cas, il va être expulsé. Bien sûr, il faut toujours prévoir s'il n'y a pas une présence d'un deuxième œuf en résorption. Ça, c'est quand vous avez une grossesse gémellaire, d'accord? Généralement, on peut avoir une résorption d'un autre œuf. Bien sûr, l'activité cardiaque, il faut la rechercher. Normalement, dès 6 semaines d'aménorrhée, on doit l'avoir, cette activité cardiaque. Mais comme je vous ai dit, on peut se tromper sur l'âge gestationnel. Alors, on considère que une longueur de l'embryon supérieure à 7 mm, généralement, on doit avoir une activité cardiaque. Bien sûr, le LCC, non seulement il va nous aider pour l'activité cardiaque, mais surtout, il va nous dater exactement la grossesse. Bien sûr, en calculant le LCC, le logiciel, d'accord, si on a des tables, on va utiliser les tables, sinon le logiciel de l'échographe va nous donner directement, bien sûr, l'âge gestationnel. On peut faire aussi un taux de bêta CG, généralement si la femme ne sait pas si elle était enceinte ou pas, mais on peut le faire pour voir est-ce que réellement cette menace-là va se terminer par un avortement. Parce que dans un état de menace, si vous avez un taux de bêta CG qui est en train de baisser, là, c'est péjoratif. Vous êtes sûr que cette grossesse-là va bien sûr finir par avorter. Alors, pour le taux de bêta CG, c'est juste pour être sûr, bien sûr, si surtout quand vous examinez la malade, vous avez bien sûr l'œuf qui a été expulsé et pour être sûr qu'elle était enceinte, c'est de faire un taux de bêta ACG. Et bien sûr, on peut surveiller la courbe, mais généralement, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Le taux de bêta CG pour, bien sûr, le diagnostic d'une menace ou bien un avortement, si on est sûr que c'est un avortement. La phase d'avortement inéluctable, bien sûr, ou bien c'est l'avortement en cours, là, les signes cliniques, ils vont, bien sûr, s'aggraver. On a des métrorragies qui vont devenir très abondantes, d'accord, bien sûr, peuvent aller jusqu'à donner un état de choc maternel. Alors, il faut bien sûr intervenir dans ces cas-là. On a une douleur pelvienne nettement rythmée, d'accord, c'est vraiment des contractions utérines expulsives. Elles vont essayer de faire expulser, bien sûr, l'œuf. L'existence d'une fièvre, ça fait suspecter une infection de l'ovule. Alors, devant toute fièvre pendant un avortement, il faut faire très très attention, d'accord? Et bien sûr, utiliser des antibiotiques à large spectre. L'examen complémentaire, c'est l'échographie toujours. Le sac ovulaire, il est plissé et affaissé, comme je vous ai montré. Et bien sûr, il a tendance à être près de l'orifice cervical interne, d'accord? Alors, bien sûr, il s'apprête à être expulsé par le corps. Bien sûr, l'existence d'une structure, on recherche toujours
une existence d'un embryon et une activité cardiaque. Et bien sûr, voir si l'utérus, il est vide ou bien, au contraire, il y a une rétention. Bien sûr, quand vous avez une femme qui a fait son avortement, il faut toujours rechercher, d'accord, au niveau de l'utérus, est-ce qu'il n'y a pas, bien sûr, du matériel trophoblastique qui reste dedans. Sinon, elle peut continuer à saigner ou bien ça peut s'infecter. D'accord? Là, vous avez bien sûr l'utérus, là, c'est l'endomètre, et là, on voit bien que les deux feuillets de l'endomètre, ils sont bien à coller. D'accord? Alors, ici, on n'a plus de matériel trophoblastique. Tout a été, bien sûr, expulsé. Contrairement à ici, bien sûr, on voit bien les deux feuillets qui sont là, ils sont séparés. Là, on voit qu'il y a toujours du matériel à l'intérieur. D'accord? Bien sûr, là, il faut toujours ajouter de l'ocytocine pour, bien sûr, faire expulser tout ce matériel-là. Si la femme, elle saigne beaucoup, il faut faire ce qu'on appelle un curage ou bien un curetage qu'on va voir. Bien sûr, si on fait un taux de bêta CG, d'accord, on va retrouver des taux qui diminuent, d'accord, qui diminuent d'une façon spectaculaire. Le mécanisme de l'expulsion, bien sûr, quand l'œuf il est jeune, inférieur à 12 semaines d'aménorrhée, généralement on expulse tout ensemble, l'embryon, le sac et le petit, bien sûr, le petit placenta. Mais après les 12 semaines, l'avortement se fait généralement comme l'accouchement. On a bien sûr l'expulsion de l'embryon, puis l'expulsion du placenta. Pour le diagnostic différentiel, il faut faire toujours, bien sûr, avec l'avortement provoqué. On va le voir après. Ça, c'est quand, bien sûr, on a utilisé quelque chose pour, bien sûr, faire avorter cette femme-là. Il faut faire attention dans les formes pseudo-abortives de la GU. Là, réellement, on a, bien sûr, c'est la caduque qu'on a tendance à expulsé et non à l'embryon. Alors, on va se dire que c'est un avortement, mais là, c'est faux. C'est une grossesse extra-utérine qui a, bien sûr, permis de développer cette caduque-là utérine qui va être expulsée. On a l'hémolie datiforme. Là, vous allez le voir dans le cours. Les maladies trophoblastiques. Bien sûr, une mole, c'est une bien sûr, hyperplasie du trophoblaste. D'accord? Ça va vous donner comme des petits sacs. Vous allez faire le cours et comprendre. Et ça a tendance, si on ne l'a pas diagnostiqué très précocement, on aura des métrorragies très abondantes avec l'expulsion de ces petits, bien sûr, ces petits kystes. On a aussi les métrorragies d'origine gynécologique, d'accord? D'où l'intérêt, quand vous avez des métrorragies, c'est de faire, bien sûr, en premier, éliminer une grossesse et faire un taux de bêta ACG. Bien sûr, là, vous allez le retrouver négatif. Pour le traitement, si vous êtes, bien sûr, la première phase, c'est pendant la phase de la menace de fausse couche, d'accord? Bien sûr, si vous avez un œuf vivant, ça veut dire que il y a un embryon avec activité cardiaque, d'accord? Si c'est inférieur à 12, à 14 semaines, là, vous préconisez du repos, d'accord? Vous n'allez pas bien, on n'a pas tendance, bien sûr, à donner un traitement particulier, d'accord, et faire un contrôle à une semaine après pour voir est-ce qu'il est toujours vivant et est-ce
il est toujours en place. Si c'est une fausse couche tardive, ça veut dire c'est supérieur à 14 semaines, là toujours du repos, on peut donner des antispasmodiques comme le Spasfon. On peut ajouter de la progestérone, d'accord, pour renforcer bien sûr le taux de progestérone qu'il y a. On peut suspecter que c'est à cause de sa diminution. On peut donner bien sûr des tocolytiques, mais généralement on donne juste les antispasmodiques et la progestérone. Bien sûr, si on voit que c'est le col qui n'est pas compétent, d'accord, par exemple, il commence à sourire, là, après la disparition des contractions, on peut faire un cerclage. C'est quoi le cerclage? Le cerclage, c'est quand vous avez un col, d'accord, qui a tendance à ne pas être tonique, d'accord, ou bien il est incompétent, ou bien ce qu'on appelle qu'il est BM. Alors, on prend un fil qui est non résorbable et on essaye de le, bien sûr, de le faufiler tout autour et faire un nœud ici. D'accord? De sorte que on va, bien sûr, le renforcer et éviter qu'il s'ouvre pendant la grossesse. Et à la fin, bien sûr, on aura un col qu'on a fermé. Mais il ne faut pas trop serrer parce que vous risquez d'avoir une nécrose. Il faut juste serrer ce qu'il faut, d'accord? Et là, bien sûr, vous avez un col qui est bien coloré, il est rose, et qu'on a bien sûr cerclé. Et bien sûr, il faut traiter une étiologie. Si c'est une fièvre, il faut traiter. Si c'est une infection, il faut traiter, d'accord? Et bien sûr, parfois, s'il n'y a pas un traitement particulier, ben, le traitement peut se faire après. D'accord? Par exemple, si vous avez une cloison utérine, vous allez l'enlever après si ça gêne, bien sûr, une grossesse. Pour les grossesses arrêtées, d'accord? Bien sûr, quand vous avez une grossesse arrêtée, on ne va pas la maintenir. Au contraire, il faut bien sûr la faire expulser. Bien sûr, on peut avoir une attitude expectative, la laisser avorter toute seule, d'accord? Surtout si vous avez un œuf clair, qui est bien sûr, c'est un œuf qui dépasse les 25 mm sans avoir un embryon dedans. Ça veut dire que l'embryon ne va pas se développer. Là, on peut avoir une expectative et attendre son avortement spontané. Ou bien, si la patiente le désire, ou bien on ne veut pas attendre, on peut bien sûr faire un traitement. Généralement, on donne du métergin, d'accord, parce que nous, on n'a pas les prostaglandines. Alors, on est obligé d'utiliser le métergin, d'accord, on goûte que la femme doit prendre. Si on a bien sûr les prostaglandines, on utilise le misoprostol. C'est le Cytotec. C'est généralement 4 comprimés. Même ce traitement-là, en France, ils ont arrêté sa commercialisation parce que il y a d'autres traitements, mais qui sont un peu plus chers. D'accord? Bien sûr qu'on met en intravaginal et là, bien sûr, la femme, elle va avoir des contractions utérines et expulser, bien sûr, l'œuf qui est arrêté. Le traitement chirurgical, si, bien sûr, on peut avoir, quand on donne ces traitements-là, ou bien la femme, elle va passer vers l'avortement en cours, on peut avoir, bien sûr, un saignement abondant et des douleurs importantes. Alors, on est obligé. Bien sûr, pour éviter un état de choc, c'est d'aller faire soit un curage, d'accord, soit un curetage. C'est quoi un curage? Un curage, c'est quand vous avez une grossesse qui dépasse les 14 ou bien généralement les 12 semaines d'aménorrhée. Là, comme je vous ai dit, il faut bien sûr
Il faut pas, là, dans ce cas-là, il faut pas faire un curetage parce que vous avez les os qui sont constitués, surtout les os du crâne. D'accord? Alors, vous risquez, bien sûr, de ne, en faisant le curetage, de blesser l'utérus à cause de ces os-là. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va, avec les doigts, essayer de ramener, le fœtus et le placenta. Comme ceci, bien sûr, d'une façon très stérile, d'accord, et d'une façon aseptique. Le curetage, généralement, quand c'est une grossesse jeune, inférieure à 12 semaines, là, avec une curette mousse, ça, c'est des curettes mousse, bien sûr, stérile, il y a différentes tailles, d'accord, selon, bien sûr, la gestationnelle et l'ouverture du col. Vous allez introduire cette curette-là et faire votre, bien sûr, curetage. On va essayer de cureter les quatre faces, d'accord? La face antérieure et postérieure, la face gauche et la face droite, de façon à, bien sûr, à enlever tout le trophoblaste. Là, c'est l'aspiration. Bien sûr, c'est idéal. L'idéal, c'est de faire un curetage aspiratif, d'accord, avec des sondes d'aspiration. Bien sûr, avec l'aspirateur, on va introduire ces sondes-là et on aspire, d'accord. Bien sûr, ça aussi, c'est quand une grossesse, elle est jeune, inférieure à 12 semaines. Là, c'est les différents traitements qu'on fait. Alors, bien sûr, quand il y a des métrorragies importantes, d'accord, quand on a donné un traitement. Quand on est devant une fausse couche en cours, d'accord, si c'est avant 10 semaines d'aménorrhée, on peut généralement surveiller, d'accord, si ça ne saigne pas beaucoup. On peut donner du métergène en goutte ou bien une hospitalisation si saignement est important, c'est supérieur à ce dérègle, s'il y a des douleurs et surtout s'il y a une fièvre. Là, il faut vraiment utiliser des antibiotiques, bien sûr, parentérales et à large spectre. Après 10 semaines d'aménorrhée, hospitalisation, on aspire, curage digital ou curetage, ça dépend. Bien sûr, si ce n'est pas supérieur à 12 semaines. Et bien sûr, la prise en charge du mini-accouchement, si fausse couche tardive. Là, bien sûr, on a l'accouchement de l'embryon, bien du fœtus, puis l'accouchement du placenta. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier la séroprophylaxie anti-D, surtout si la femme elle est rhésus négative et son mari rhésus positif. Toujours, il faut éviter une immunisation. Bien sûr, si on est devant une patiente qui a présenté une maladie abortive, là, il faut faire, bien sûr, un bilan complet à la recherche d'un diabète, un syndrome des antiphospholipides, d'accord, c'est très, très important. Mais généralement, c'est à distance, surtout pour tout ce qui est immunitaire, surtout les antiphospholipides et le lupus. Il faut généralement 3 mois après cet avortement pour faire les bilans et toujours faire deux fois, d'accord, pour réellement éliminer bien sûr, une maladie auto-immune. On doit, bien sûr, rechercher une hypothyroïdie avec présence d'anticorps antithyroperoxydase et antithyroglobuline, d'accord? Une carence vitaminique, B9 surtout et B12, une hyperchromocystinémie. Il faut savoir que il faut toujours rechercher, avoir bien sûr des avis, soit en médecine interne, soit en hémato. Une hyperprolactinémie, une altération de la réserve ovarienne. Une malformation utérine, il faut rechercher, d'accord, soit avec l'écho 3D, soit bien sûr passer à l'hystéro, voire même à l'IRM, d'accord. Une anomalie utérine acquise,
Généralement, dans les antécédents, on a un antécédent. Pareil, si vous avez un antécédent d'un curetage ou bien d'un curage ou bien d'une révision utérine, il faut bien sûr rechercher des signes. Bien sûr, il faut réaliser un caryotype. Si, malgré que vous avez recherché toutes les causes et vous ne retrouverez pas, ou bien vous suspectez que c'est un problème chromosomique et génétique. Là, il faut faire le karyotype du couple pour, bien sûr, prévenir la récidive. Pour la prévention, si vous avez une anomalie génétique qui est connue, quand vous avez, bien sûr, fait le karyotype et il y a une présence d'anomalie génétique, il faut faire un conseil génétique aux parents et leur dire que vous êtes porteur de telle ou telle anomalie qui n'est pas compatible, bien sûr, ou bien vous risquez de la retransmettre pour vos enfants s'ils arrivent à terme. Bien sûr, il faut toujours traiter les infections cervico-vaginales. L'idéal, c'est de faire un PV, un ECBU chaque mois chez la femme enceinte, parce que vous savez que surtout avec la progestérone, la vidange vésicale se fait mal et on a tendance à avoir des infections urinaires chez la femme enceinte et surtout c'est des infections asymptomatiques. Ça veut dire on a une infection mais la femme ne ressent ni douleur ni elle n'a de fièvre. Alors, toujours, il faut rechercher, bien sûr, une infection urinaire et cervico-vaginale chez la femme enceinte au moins chaque mois. D'accord? Faire un PV et un ECB. On a les anomalies utérines. Si par exemple on a une cloison utérine, d'accord, il faut bien sûr l'enlever. S'il y a des sinéchines, on essaye là aussi de les enlever par hystéroscopie. Et s'il y a un myome, un fibrome, d'accord, là, il faut faire une myomectomie, il faut enlever ce fibrome pour permettre d'éviter un avortement. Si on est devant un diabète, il faut l'équilibrer, d'accord. S'il y a une dysovulation, il faut améliorer l'ovulation. Si on a un problème immunologique, d'accord, une maladie immunologique, soit un SAPL positif ou bien un lupus positif, là, qu'est-ce qu'on donne? On donne généralement l'aspirine et les anticoagulants. Généralement, on donne les HBPR, d'accord? Soit l'Ovenox, soit autre chose. Mais dans des cas où ça ne répond pas, il faut utiliser les corticoïdes, mais il faut faire très, très attention, d'accord? Et généralement, ça peut nous éviter d'avoir un rejet ou bien une attaque auto-immune vers le fœtus. Bien sûr, en dernier, c'est le cerclage du col. Si, bien sûr, le col, il n'est pas compétent ou bien il est béant. D'accord? Ça, c'est pour bien sûr, quand on a un avortement spontané, d'accord? L'avortement provoqué, c'est rapide, d'accord? L'avortement provoqué, là, la différence, elle est énorme, vu que là, on intervient généralement pour faire cet avortement. Et plusieurs cas, malheureusement, ils se font clandestinement. D'accord? Généralement, ça se fait clandestinement pour se débarrasser des grossesses indésirables. Et là, on crée beaucoup de catastrophes. Bien sûr, c'est assez fréquent. Il faut savoir que c'est assez fréquent quand même. Et il est pratiqué dans la clandestinité parce que chez nous, l'avortement n'est pas autorisé. Bien sûr, généralement, c'est un personnel qui n'est pas médical. Le but, c'est
de se débarrasser d'une grossesse non désirée ou bien illégitime. D'accord? Illégitime, bien sûr, c'est des mères célibataires, mais non désirées, il y a des couples qui ne désirent plus avoir d'enfants et quand la femme, elle tombe enceinte, ils se tournent vers cette décision de faire un avortement. Bien sûr, la fréquence, elle est sous-estimée car souvent, l'avortement ne donne pas lieu à une hospitalisation. Alors, on ne peut pas réellement calculer le nombre exact. Elles exposent à des complications graves, c'est surtout des complications hémorragiques, infectieuses, toxiques. Ça dépend de l'agent abortif. Et bien sûr, des complications mécaniques, d'accord? Généralement, c'est des perforations et des complications psychologiques qui se répercutent sur la femme. C'est une interruption de grossesse au cours des premières semaines, résultat d'un geste volontaire agressif vis-à-vis de l'œuf, dénommé également avortement volontaire intentionnel ou avortement criminel. Bien sûr, on distingue les avortements thérapeutiques, d'accord? Là, c'est généralement au niveau d'une structure hospitalière qualifiée qui va bien sûr autoriser un avortement thérapeutique. Chez nous, ce qui est autorisé pour une interruption de grossesse, d'accord, c'est les cas où la femme où l'état maternel il est mis en jeu, d'accord, soit elle a une cardiopathie ou bien une maladie neurologique, ça dépend de ce que la mère a comme pathologie chronique, d'accord. Et là, si on poursuit la grossesse, on risque d'aggraver cette maladie-là, ou bien carrément, la mère, elle risque de décéder, d'accord. C'est là où, bien sûr, avec les autres le spécialiste de ces bien sûr spécialités, par exemple si c'est un problème cardiaque, on voit avec le cardio. Si c'est un néo bien quoi que ce soit, ça dépend bien sûr de l'organe atteint et de la spécialité de cet organe-là pour voir l'avis de l'expert, d'accord, de ces spécialités-là qui va vous dire, voilà, notre malade, il faut lui interrompre sa grossesse, sinon elle risque bien sûr, elle risque d'aggraver sa maladie ou bien carrément de succomber à cause de cette grossesse. C'est là, chez nous, où on a bien sûr l'autorisation de faire un avortement. Mais dans les autres cas, on ne peut pas faire, contrairement bien sûr à la France ou des autres pays occidentaux où, bien sûr, l'interruption elle est autorisée. D'accord? Par exemple, en France, on peut faire l'avortement. Bien sûr, il ne faut pas dépasser les 16 semaines. Ils font, même s'il n'y a pas une indication ni maternelle ni fœtale, si la mère elle veut se débarrasser de la grossesse, ils font cette à avortement. D'ailleurs, ça a permis d'éviter bien sûr, les avortements clandestins et d'avoir des morts maternelles, bien sûr, en dehors des hôpitaux. Là, bien sûr, c'est ailleurs, mais chez nous, il faut garder dans votre esprit, on n'a pas le droit de faire un avortement, sauf si le pronostic maternel, bien sûr, il est altéré, ou bien il va devenir sombre avec la poursuite de la grossesse. Sur le plan physiopathologique, tout avortement fait courir deux risques. D'accord? Un retard à l'expulsion de l'œuf qui va favoriser l'infection et l'hémorragie, et une expulsion incomplète avec rétention du placenta qui va s'infecter et bien sûr empêcher la rétraction de l'utérus et l'hémorragie. Ça veut dire là, on a un gros risque, c'est de s'infecter et
de saignée. Bien sûr, les germes, ils proviennent généralement de soit de l'agent abortif introduit dans l'utérus qui n'était pas stérile, ou bien quand on a fait passer cet agent-là à travers, bien sûr, la cavité vaginale qui est pleine de germes, d'accord, ou bien un col qui était infecté, ça va se retrouver dans la cavité utérine. Et là, bien sûr, on va propager ces germes-là à l'intérieur de l'utérus. Bien sûr, à ce risque infectieux et hémorragique, se surajoutent des risques liés à l'agent abortif, soit un risque traumatique, soit un risque de toxicité. Ça dépend de cet agent-là. Généralement, c'est des drogues ou bien un agent qui est érosif. On a aussi des embolies amniotiques entraînant la mort, bien sûr, de la mère. L'embolie amniotique, il faut savoir qu'elle est plus fréquente quand on fait un avortement provoqué. Bien sûr, l'agent abortif, il est responsable d'agressions traumatiques si, par exemple, on utilise une tige métallique, d'accord? Quand on utilise une tige métallique, on peut perforer soit le col, soit perforer l'utérus. On a les agressions chimiques, comme le permanganate de potassium, qui est très utilisé pour les avortements. Là, bien sûr, on a tendance à avoir des érosions. D'accord? On a l'intoxication par les injections intra-utérines d'air. Là, c'est très, très dangereux. Ça peut aussi donner des embolies gazeuses. D'accord? Et si c'est du liquide toxique comme l'eau savonneuse, il faut savoir que ça donne des toxications, bien sûr, maternelles et fœtales. Bien sûr, on peut avoir une lyse tissulaire intentionnée suite à une forte irradiation pelvienne. Là, c'est très, très criminel. Vous allez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils ont une radio mobile, d'accord? Ou bien ils ont quelqu'un qu'ils connaissent qui fait de la radiologie et ils vont faire beaucoup d'irradiation au niveau du pelvis. Bien sûr, c'est très très dangereux pour la femme. La manœuvre abortive, bien sûr, entraîne le plus souvent l'ouverture de l'œuf, infection et mort de l'embryon, mais pas obligatoirement l'arrêt du développement du placenta. Bien sûr, elle est responsable de contractions utérines, ouverture du col et décollement du placenta, ce qui expose à l'hémorragie, qui peut être bien sûr cataclysmique, et les infections. Sur le plan clinique, on a généralement un tableau d'avortement qui est sceptique. Une fièvre qui dépasse les 38 degrés Celsius, une sensibilité abdominale avec ou sans défense ou bien parfois une contracture, un écoulement purulent à travers l'orifice cervical et une sensibilité utérine et annexielle. Tout ça, c'est le début de l'infection, d'accord, qui peut bien sûr aller jusqu'à une péritonite généralisée, un sepsis généralisé, une mort maternelle. Vraiment, dans le cas où vous allez avoir une septicémie, dans ces cas-là, vraiment, vous risquez d'avoir beaucoup de chances de perdre cette maman. Bien sûr, 6% des avortements septiques sont malheureusement compliqués d'un choc septique. Pour les formes cliniques, on peut avoir beaucoup de formes cliniques, d'accord, avortement provoqué qui est récent, septique et incomplet. On a généralement une hémorragie avec anémie et état de choc. À l'interrogatoire, on va essayer d'avoir la date des dernières règles et la manœuvre utilisée pour avorter. Généralement, si les femmes, malheureusement, elles cachent qu'elles ont eu recours à un avortement, alors généralement, elles ne répondent pas très bien aux questions. Surtout aussi si elles étaient en état de choc. Bien sûr, on doit
évaluer l'importance de l'hémorragie en spéculant toujours rechercher l'origine du saignement et voir si le col et le vagin n'ont pas été perforés, d'accord? Ou bien ils ont eu, bien sûr, des lésions causées par l'agent abortif. Au toucher vaginal, l'utérus, généralement, il est douloureux, surtout quand on le mobilise. Le col, généralement, il est ouvert et les annexes libres et indolents. L'avortement incomplet et infecté, là, on a une rétention, d'accord? La fièvre, on a bien sûr une fièvre qui peut aller jusqu'à 40, voire plus. Les pertes hémorragiques qui sont fétides, c'est infecté. Et là, vous avez des douleurs pelviennes importantes. Bien sûr, l'examen permet d'apprécier l'extension de cette infection, soit juste au niveau de l'endomètre, c'est l'endométrie. Si on a les annexes qui commencent à être douloureuses, ça veut dire que ça atteint les annexes. Et bien sûr, à l'état maximal, c'est la pelvis péritonite. Puis, ça va y aller vers la péritonite généralisée. Pour les complications, bien sûr, immédiatement ou bien à court terme, là, c'est l'hémorragie. Ça peut aller jusqu'à l'état de choc, hein, bien sûr, selon l'abondance de des métrorrhages. On a une anémie. L'interrogatoire recherche la septicité du geste, si bien sûr on est dans un contexte fébrile. L'examen gynécologique recherche une plaie cervico-vaginale. C'est très, très important pour, bien sûr, les suturer, d'accord, et arrêter l'hémorragie. Bien sûr, en deuxième, c'est l'infection, surtout quand on a une rétention, d'accord, rétention placentaire, c'est presque du sang, d'accord, et c'est un bouillon parfait pour les germes. Bien sûr, rapidement, on passe vraiment à des états catastrophiques. L'œuf est ensemencé généralement par l'agent abortif ou bien par l'ascension des germes. Bien sûr, les complications régionales, c'est l'infection de l'œuf, une endométrite, puis une pelvipéritonite et puis une péritonite généralisée. Et bien sûr, après, c'est des collections abcédé, d'accord? Même si on donne des antibiotiques, on récupère, mais parfois, il y a des collections abcédées, d'accord? Et quand vous avez abcès, un abcès, généralement, les antibiotiques ne sont pas efficaces. Ils ne vont pas pouvoir accéder à ces abcès-là. Alors, on doit opérer pour, bien sûr, drainer les abcès. Et bien sûr, complications, on peut avoir des thrombophlébites pelviennes et des membres inférieur. D'accord? Bien sûr, les complications septicémiques, on peut avoir une septicémie à perte pharyngeuse, Clostridium belchii, c'est un choc septique avec hémolyse, on aura un ictère cuivré et une oligo-anurie. On a les septicémies avec choc toxique sans hémolyse, c'est quand il s'agit surtout de l'Escherichia coli. D'accord? Et il ne faut pas oublier le tétanos, surtout, bien sûr, si l'objet utilisé, bien sûr, il était porteur de ces germes-là. D'accord? Alors, toujours, il faut, bien sûr, donner un sérum antitétanique et le vaccin antitétanique. Il ne faut pas oublier comme prévention. Bien sûr, les complications liées à l'agent causal, c'est les intoxications, troubles neurosensoriels, cardiovasculaires, digestifs, surtout quand on utilise la quinine et les dérivés ergotés, d'accord, comme le métergin. Si vous utilisez à des doses importantes, là, vous allez avoir des effets, bien sûr, secondaires qui sont parfois graves, surtout les effets cardiovasculaire pour les dérivés ergotés. Vous pouvez avoir, bien sûr, un arrêt cardiaque. Les complications traumatiques, c'est les perforations, d'accord, de la cavité. Bien sûr, les perforations, soit au niveau du col, quelque part ici, au niveau du col, ou bien au niveau de l'ise, parfois au niveau de l'utérus. On peut même, bien sûr, perforer
l'utérus et aller vers le promontoire. Et au niveau du promontoire, vous avez bien sûr, des vaisseaux iliaques. D'accord? Et c'est très, très dangereux. Parfois même, il y a des gens qui ont, bien sûr, ramené même les uretères. Là, bien sûr, on peut avoir ces accidents-là quand on fait un curetage parce que c'est à l'aveugle, d'accord? Même si ce n'est pas un avortement provoqué, quand on fait un curetage, on peut bien sûr avoir ces complications. Bien sûr, on peut avoir une méconnaissance d'une GU, d'accord? Généralement, la femme, elle sait qu'elle est enceinte parce qu'elle a une aménorrhée, elle a fait un test de grossesse positif, mais en réalité, ce n'est pas une grossesse en intra-utérin. D'accord? Alors, elle va se dire, je vais tenter un avortement. D'accord? Là, ils vont bien sûr aller faire l'avortement, mais en réalité, la grossesse, elle est ailleurs. Alors, quand il la laisse se développer, ça va bien sûr aller vers une rupture. D'accord? Et là, on aura aussi un état de choc par un hémopéritoine important. Les complications à long terme, on a généralement, même si l'avortement se passe bien, mais on peut avoir des complications quand même à long terme. C'est comme le syndrome douloureux pelvien chronique, d'accord? La femme a la tendance, surtout après une infection, d'accord, d'avoir des douleurs chroniques. Des troubles du cycle, d'accord, soit une hypoménorrhée ou bien carrément une aménorrhée. Là, c'est quand il y a cette infection ou bien on a raclé avec la curette, d'accord? Là, bien sûr, on a tendance à avoir des sinéchies. Et si ces sinéchies, elles sont très importantes, on aura carrément une absence de règles. Une infertilité, soit un état de choc, et ça nous a donné, bien sûr, le syndrome de Chion, ou bien c'est à cause bien sûr, des sinéchies, ou bien si on a eu une infection des trompes, là, on aura des sinéchies au niveau des trompes. L'iso-immunisation rhésus, si on n'a pas donné le vaccin anti-D, généralement dans la clandestinité, elles ne reçoivent pas, alors il y a une immunisation, d'accord? Les complications psychologiques sont très très importantes. Parfois, c'est des femmes, bien sûr, qui sont obligées de faire ces interruptions, alors sur le plan psychologique, elles vont se culpabiliser, bien sûr, énormément. Et bien sûr, on a aussi des séquelles obstétricales, des tendances à avoir des grossesses extra-utérines, d'accord? Les vices d'insertion placentaire, surtout quand on a érosé cette muqueuse endométriale, dans les grossesses qui vont venir, le placenta. Dans ces cicatrices-là, il va bien sûr avoir une insertion qui est pathologique. Bien sûr, on risque, si on a eu un antécédent de perforation, le risque de faire une rupture utérine, il est important, surtout lors des grossesses ultérieures. D'accord? Et bien sûr, l'avortement, l'accouchement prématuré à répétition, surtout si on a forcé le col. D'accord? Et là, il va devenir incompétent et on aura tendance à avoir des pertes de ces grossesses-là. Les mesures thérapeutiques, bien sûr, quand vous recevez ces femmes-là, généralement que ça s'est mal passé. D'accord? Ça veut dire elles vont avoir des saignements et une fièvre. Alors, généralement, elle consulte à l'hôpital dans un état catastrophique. Alors, il faut toujours, bien sûr, rétablir la volémie. Bien sûr, il faut faire les bilans et les différents prélèvements et s'assurer
de faire des prélèvements à but bactériologique si c'est possible. Bien sûr, on commence l'antibiothérapie à large spectre avant d'avoir les résultats, mais il faut faire les différents, bien sûr, prélèvements. Si vous avez, bien sûr, une femme qui est anémiée, il faut transfuser, d'accord? Ou bien, si c'est un état de choc, bien sûr, les mesures de réanimation. Il faut toujours rétablir la volémie et bien sûr suturer les différentes plaies, d'accord, au bloc opératoire. On recherche les différentes plaies pour bien sûr les suturer et arrêter l'hémorragie. Il faut toujours faire une prévention de l'iso-immunisation rhésus si la femme elle a un rhésus négatif. D'accord? Un sérum antitétanique et une vaccination, c'est obligatoire parce que parfois on ne sait pas quelle est la nature de l'agent utilisé. Les antibiotiques à large spectre et évacuation utérine en urgence. S'il y a une rétention, là, on va faire un curage ou bien un curetage. Là, c'est généralement ce qu'on peut dire sur l'avortement provoqué. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce cours-là? Fausse couche spontanée en cours, c'est quand vous avez, bien sûr, un saignement et l'œuf qui commence à être expulsé. D'accord? On attend 3 fausses couches pour faire un bilan étiologique. Oui, généralement, on tolère 1 fausse couche à 2 fausses couches. Et bien sûr, à partir de 3 fausses couches, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, il faut faire un bilan étiologique. Pourquoi les MST ne donnent pas un avortement? Bien sûr, ça, c'est lors des études épidémiologiques, d'accord? Ils ont considéré que les infections sexuellement transmissibles, elles, bien sûr, elles ne donnent pas 2 fausses couches. D'accord? L'avortement thérapeutique peut se faire à n'importe quel moment si le pronostic maternel est mis en jeu. Bon, n'importe quel moment, si bien sûr c'est inférieur à 24 semaines, là, il faut interrompre. Bien sûr, toujours avoir le OK des parents. Mais s'il dépasse les 24 semaines, on essaye d'aller jusqu'à 32 pour permettre au fœtus de vivre. On fait l'extraction vers les 32 semaines. Ça dépend de l'état maternel. Les indications fœtales des avortements provoqués, ici chez nous, il n'y a pas, y a juste le pronostic maternel. D'accord? Les indications fœtales, c'est très très difficile. Normalement, quand vous avez un fœtus, comment dirais-je, qui n'a pas de rein. Il y a une agénésie bilatérale des reins, d'accord? Là, généralement, ce n'est pas viable, mais on n'est pas autorisé, d'accord? Il y a certains qui le font, mais généralement, ce n'est pas autorisé. De même pour l'anencéphale ou bien l'exocéphale. L'exocéphale, c'est quand vous avez le cerveau en dehors de la boîte crânienne et l'anencéphale, vous avez bien sûr, une agénésie de la boîte crânienne. Ça, c'est des fœtus non viables, d'accord? Alors, normalement, on doit faire une interruption, mais malheureusement, chez nous, il y a pas de loi pour ça, d'accord? C'était prévu qu'ils le fassent dans le projet de loi, le nouveau projet de loi, soi-disant, qui a été voté, je sais pas, il y a 4 ans. Ils avaient un texte de loi là-dessus, d'accord, mais il n'y a rien qui s'est fait, d'accord. Contrairement au Maroc, qui sont bien sûr en avance que nous, il y a pas mal,